Bonjour les amis, c'est Franck Marchex, je suis auteur, coach, conférencier et je suis très très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle j'ai envie de partager avec vous un secret pour réussir à développer son business sur internet ou réussir à le développer sur le web comme on dit, sans forcément avoir un blog, sans forcément avoir un gros site internet. Une stratégie qui est aujourd'hui énormément développée, en tout cas une stratégie que moi j'ai particulièrement utilisée, et là vous êtes en train de la vivre, cette stratégie, c'est ce qu'on appelle le freemium. Je vais vous en dire plus dans une seconde. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que le freemium? Eh bien, le freemium, c'est le fait de diffuser gratuitement un contenu de valeur, si possible de grande valeur, de manière gratuite à une audience. Alors, cette audience, ça peut être une audience sous la forme d'un podcast, c'est-à-dire que vous allez faire comme une sorte d'émission de radio sur Internet. Ça peut être sous la forme de vidéo, telle que je suis en train de le faire à cet instant. Ça peut être sous la forme d'un article que vous allez écrire, que vous allez diffuser sur Internet. Ça peut être votre propre site Internet ou ça peut être sur le site Internet d'un partenaire. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas nécessaire d'avoir votre propre site Internet. Vous pouvez tout à fait avoir l'opportunité d'écrire sur d'autres blogs, ce qu'on appelle des articles invités, hein, par exemple. Et ça, évidemment, c'est une audience qui peut être la vôtre, là, en l'occurrence. Si vous avez trouvé cette vidéo, c'est soit parce que vous m'avez trouvé par hasard dans les suggestions de YouTube, soit parce que vous me suivez par l'intermédiaire de mes sites internet. Et donc, vous faites partie de cette audience. Les gens qui sont plus ou moins intéressés, j'espère plus que moins, par ce que je raconte et par le contenu de mes différentes vidéos. Alors le freemium, je le répète, c'est de diffuser de manière gratuite un contenu de valeur, si possible de très très grande valeur, tout simplement pour montrer aux gens eh bien, de quoi vous êtes fait. Si les gens me suivent, et aujourd'hui, là par exemple, je suis en train de me diriger vers la consultation d'un de mes clients en coaching, qui a une grosse société, eh bien ce client m'a trouvé par l'intermédiaire d'un de mes sites internet et notamment d'une de mes vidéos, et m'a contacté en me disant, écoutez, ça fait quelques vidéos que je suis et je vous regarde. Donc clairement, depuis le début, il m'affirme que ce n'est pas un lecteur ou un visiteur assidu de mes différentes vidéos, mais il a vu une vidéo, puis il a commencé à gratter sur Internet et donc à se renseigner sur ce que je faisais, comment je le faisais. Puis a fini par me contacter en me disant, écoutez, là, vous avez abordé dans une de vos vidéos un sujet qui me touche particulièrement dans ma société et j'ai absolument envie de vous rencontrer et de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, si c'est OK pour vous. Donc, on a pris rendez-vous. Et puis là, on en est déjà à la, je crois, troisième ou quatrième séance. Et c'est un plaisir de travailler avec lui, évidemment. Sinon, ça fait longtemps que je lui aurais expliqué que ce n'était pas possible et qu'il fallait s'arrêter là, parce que moi, j'aime travailler et j'aime être passionné par mes clients. Mais voilà comment ça se passe. Si je n'avais pas fait cette vidéo et si je ne l'avais pas diffusée gratuitement, eh bien, ce client n'aurait pas eu accès à cette vidéo, n'aurait pas vu mon contenu. Il n'aurait pas été intéressé, alors de ses propres dires, même passionné par cette vidéo et par ce contenu. Eh bien, s'il ne l'avait pas été, il ne m'aurait pas contacté et on n'aurait pas fait affaire. Et aujourd'hui, je ne serais pas en train de le coacher. Donc, cette stratégie, elle est ultra puissante. Alors, je sais qu'il y en a souvent qui sont un peu choqués et qui ne comprennent pas que quand on diffuse des choses gratuites comme ça, et bien à un moment, on peut être amené à leur proposer des affaires, et donc à leur proposer d'autres offres commerciales. Ça peut être des formations, ça peut être des séminaires, ça peut même être des partenaires qui ont des formations intéressantes et on a envie de leur proposer. Et souvent, on peut recevoir des emails de gens qui nous disent « Ouais, pourquoi j'ai reçu une offre commerciale ? Habituellement, je reçois que des produits gratuits ou des vidéos, des choses comme ça, enfin des choses gratuites et tout. » Et puis là, d'un coup, vous m'envoyez… moi, j'ai toujours tendance à leur répondre une phrase que j'ai beaucoup aimée d'un ami qui s'appelle Olivier Roland et qui, lui, est de son propre aveu, un blogueur professionnel. Et lui, il fait que du business sur Internet. Le temps du coton, c'est fini, quoi. Ça veut dire qu'à un moment, travailler pour rien, c'est comme être dans un champ de coton, on n'est pas des esclaves. Donc à un moment, le freemium, distribuer de la qualité, de la valeur gratuitement, ça fait partie d'une stratégie marketing, une stratégie de business,
qui fait que on offre et on a un plaisir incroyable. J'ai un plaisir incroyable à vous tourner ces vidéos, à vous donner du contenu. Et en même temps, je sais fondamentalement que ça fait partie d'une stratégie d'affaires. Donc, il est normal que derrière, il y ait un certain nombre de stratégies. Et je sais, moi, personnellement, si je prends mon exemple sur Confidence de Coach, quand j'ai commencé à faire Confidence de Coach et toutes les interviews avec mes amis coachs, j'avais pas du tout de plan sur la comète, j'avais pas du tout tiré de plan sur la comète, à savoir quel était mon business model autour de Confidence de Coach. Mon seul plaisir, mon seul kiff, c'était de faire ces vidéos, d'aller interviewer les potes, petit à petit des gens que je connaissais moins parce que ça a fait boule de neige, pour parler d'eux, pour faire connaissance avec eux et puis en savoir plus sur leur technique, sur ce qu'ils proposaient. Et j'avais aucun business model. Et je ne diffusais que du gratuit, du gratuit, du gratuit, du gratuit. Et je me suis rendu compte à un moment que c'était contre-productif parce que bah, plus je donnais du gratuit sans jamais faire des propositions d'affaires, bien, les fois où je faisais, les peu de fois où je faisais des offres commerciales, eh bien, je me faisais quasiment incendier parce que j'avais habitué tout le monde à ne donner que du gratuit. Et ça, c'est contre-productif. C'est pour ça que c'est important, quand vous commencez à vous intéresser à cette stratégie du freemium, de surtout pas faire la même erreur que moi. Donner du gratuit, donner de la valeur, donner des choses extrêmement intéressantes à vos clients. Mais aussi, n'oubliez pas de leur faire des offres commerciales, de leur proposer vos coachings, de leur proposer vos séminaires, de leur proposer des conférences professionnelles, j'en sais rien, peu importe les produits et les services que vous avez à leur proposer, mais proposez-leur des choses régulièrement pour qu'ils soient aussi habitués au fait que vous êtes un professionnel et que vous vendez des produits et des services. Donc, surtout, ne faites pas la même erreur que moi, parce que moi, il m'a fallu longtemps après à réhabituer mon audience au fait que ben, je vendais des choses derrière. C'est-à-dire, j'avais plein de propositions à leur faire dans plein de domaines différents par rapport à leurs besoins, qu'on s'intéresse à l'hypnose pour leur apprendre à utiliser l'hypnose au quotidien, comme ça, pour développer des compétences, ou que ce soit pour intervenir dans leur société pour faire des conférences de motivation ou des conférences pour leur apprendre à mieux se vendre, à mieux parler d'eux-mêmes. Que ce soit des séminaires de formation pour des managers ou pour des leaders ou pour des chefs d'entreprise. Là, je suis parti à Berlin, je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Je suis parti à Berlin pour intervenir comme ça sous la forme d'une conférence formation. J'avais une trentaine de dirigeants, c'était extrêmement passionnant. Eh bien, la personne qui m'a commandité pour faire cette intervention et ce séminaire m'a rencontré et m'a trouvé par l'intermédiaire d'une vidéo. Donc, un jour, il m'a appelé en me disant « Je vous suis depuis quelques vidéos, je vois ce que vous faites, ça m'intéresse. Voilà les besoins qu'on a, est-ce qu'on peut faire affaire ensemble ?» Et ça s'est fait. Donc, le freemium, c'est extrêmement pertinent, intéressant et vraiment, ça peut développer votre business à un niveau que vous n'imaginez même pas. Et ça, je vous en parle parce que je l'ai traversé, parce que je l'ai fait. Le fait de proposer ces vidéos-là, moi, m'a permis d'avoir une notoriété qui a augmenté et m'a permis d'être contacté par des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer, côtoyer avant ces vidéos. Donc, faites-le. Voilà, c'était juste ça que je voulais partager avec vous. En attendant, pensez évidemment à prendre soin de vous, à prendre soin des autres et à faire en sorte de changer le monde, de changer votre monde. Partagez la vidéo autour de vous si elle vous a plu, si elle vous a intéressé, si vous y avez appris deux, trois petites choses intéressantes. Je serais très heureux de la voir parcourir le web ce soir par l'intermédiaire des murs Facebook ou des abonnements YouTube. Mais en tout cas, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous souhaite évidemment de profiter de tout ça tout autour de vous et de profiter de cette stratégie parce qu'elle est vraiment ultra puissante. Et j'espère vous revoir très très bientôt dans une prochaine capsule vidéo ou peut-être en face à face pendant une de mes conférences ou un de mes séminaires. Je vous dis à très bientôt, je vous adore. Et surtout, prenez soin de vous. Bye.